Et salut tout le monde, c'est Jack9, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bone Lab. Aujourd'hui on va s'occuper de Steve. La dernière fois nous a pas mal fait chier hein. On commence dans un endroit plutôt sympa pour faire chier Steve et pour le torturer un peu, parce que tu le mérites hein. Après tout ce que t'as fait la dernière fois, on est bel et bien dans l'avion de Warzone prêt à drop. Mais sauf que le problème c'est que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas d'île en dessous malheureusement. Donc Steve, tu vas tomber on ne sait où, ça tu nous le diras. Donc tout d'abord pour ouvrir, voilà, déjà faut mettre les petites lumières vertes. Et il faut aussi bien évidemment ouvrir la grosse trappe. Alors pour ça normalement, hop, fais là et... Ouf, ouh, le bruit est fort. Ouh, par contre ça marche très très bien. Oh mon dieu, oh deux... Ah ouais, on est bien au-dessus de l'océan. Steve, t'inquiète, honnêtement ça va bien se passer, ça va bien se passer, vraiment. Je vois que t'es déjà paniqué. Timéo et Tan, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, normalement c'est pas censé vous arriver. Mais on peut jamais dire jamais, hein, c'est le problème. Par exemple, genre, voilà, imaginons, vous marchez comme ça, tac, et là tu trébuches. Tu vois, voilà, là, est-ce que... Eh ben non. Timéo ? Ouais, ouais. T'inquiète, Ethan. Honnêtement, on est très bien. Ça va être au tour de Steve, ça, cet épisode. Ouais, normalement, ça devrait aller. Bref, en tout cas, les gars, on n'oublie pas de liker la vidéo, bien évidemment, le petit abonnement. On va le faire tous ensemble dans 3, 2, 1, let's go. Et Steve, honnêtement, déjà, j'ai envie de tester un petit truc. Voir qu'est-ce qui se passe quand je prends ce petit pistolet. Alors, normalement, ce pistolet devrait avoir plusieurs utilités. Et je l'accroche à toi. Ça a rien accroché, là. Voilà, là, on a accroché quelque chose. Sauf que je crois que j'ai accroché le mauvais. Ok, j'ai accroché le mauvais. Ouais, là, t'es tout simplement bien fixé. Je peux plus te... Ouais, là je peux même plus te... Ok, je peux plus du tout te pousser. Là c'était le fil dur, donc c'est le mauvais fil que j'ai activé. On va tester plutôt, hop, je te détache. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, on va tester plutôt ce fil là. Hop, donc normalement ce fil là. Ah oui voilà, ce fil là est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe si, allez attends. Oh, oh, ok, donc là t'es pendu. Attends, par contre comment je peux te récupérer? Est-ce qu'il n'y a pas un fil qui te vend lui? Non, lui m'a pas l'air de t'aider beaucoup. Oh, peut-être celui-là, ah non mais là il y a trop de fils. Attends, qu'est-ce qui se passe si j'enlève celui-là et que j'enlève celui-là? Oh oui, là tu rebondis un peu. Attends, mais c'est ce fil là que j'aurais dû mettre depuis le début. Oh, j'avais oublié. Ok, vite. Et hop là, personne n'a rien vu. Nous en voilà avec un nouveau. Ok, alors lui, on va tester un peu plus, peut-être avec un plus petit fil pour commencer. Ok, donc on a dit ce fil là. Fais voir ce qui se passe quand je te lance par là-bas. Oh oui, tu rebondis. Oh, tu rebondis un peu. Attends, faut que j'essaie de te sauver en vrai. Oh, mais attends, par contre, l'avion est vraiment bien réalisé. Hein. Est-ce que je peux me poser sur le toit de... Oh, je peux aller sur le toit de l'avion. Ok, ok. Hop là, vas-y, allez, voilà, nickel, ok, et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, t'es élastique ou pas? Ok, oh, oh non, oh, oh, wesh, il est vraiment élastique, mais ça veut dire que je peux le tirer. Oh, je peux essayer, ah, je crois qu'il est mort par contre, là, il m'a l'air décédé. Ok, il va me falloir ceci, on va remonter ici, hop, on récupère ça, on se fait une petite armée de Steve, nickel pour nos petites expériences. Hop, je les accroche comme ça, avec la jambe, et là, je vais tous les pousser. Oh, punaise, non, non, je suis aussi tombé. Non, non. Oh putain, comment je suis censé remonter là? Oh non, c'était impossible. Non, oh, non, je suis mort. Ok, ça va, plus de peur que de mal. On est toujours là, on est toujours en vie. Hop, bon. Lui, il est tombé giga bas. Il était accroché par le bras. Lui, il était accroché par le ventre. Ok, et là, celui-là, ça va être accroché par le pied. Et ici, on a celui accroché par la tête. Ok, 1, 2, hop là. Wow, ça va? Oh mais là c'est parfait. On en a un crochet par la jambe, un crochet par le ventre, un crochet par la tête et un crochet par le bras. On a toutes les façons. Ok, j'aimerais juste maintenant tester un peu des armes. Hop, parfait, de code aussi que j'ai eu avec. Oh, le viseur marche trop bien. Ok, par contre ça fait rien du tout. Ok, lui là-bas est vraiment mort, où il a pas assez de portée. Par contre je voulais tester avec le sniper de faire un petit trick shot, voir ce que je pouvais faire. Genre hop, on le recharge comme ça. Juste tenter un petit truc. Est-ce qu'il y a moyen de faire un petit noscope déjà? Oh, je l'ai mis first try. Oh, je l'ai fumé first try. Attends, mais attends, c'est abusé. No scope. Attends, ok, attendez, je vise un peu. Est-ce que je peux viser comme ça? Ok, et là. Ok, non, je l'ai loupé, voilà. Je peux pas réussir à chaque fois, sinon ce serait trop beau. Par contre, est-ce que je peux tenter un petit truc en mode... Ok. Oh, je l'ai mis. Je l'ai mis dans la tête. Oh non, non, vite avant que je meure. Ok, j'avoue là c'était un peu un fail à ce niveau là. J'ai dû tout refaire, j'ai dû tout remettre. Mais regardez le bon côté des choses. Normalement maintenant j'ai accès à ça. Et normalement ça, est-ce que je peux l'enlever comme ça? Laissez-moi essayer. Ok, non c'est pas comme ça. Oh putain, oh putain. Merde. Tombe dans le vide, tombe dans le vide. Non. Oh non. Ok, ça l'a tué. Ok, ça l'a tué. Problème. Je pensais pas que ça allait le tuer si facilement. Résultat, il faut que je refasse. C'est un peu de temps. Attends, c'est compliqué en vrai. Donc, je fais comme ça. Parfait. Et là, je dois bien la laisser partir comme ça. Ok. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. Oui, parfait. Oh, oh. Alors, j'avais oublié que... Oh non. Oh non, Ethan. Ethan, t'es où? Oh non. Attends, mais là... Non seulement l'autre Steve s'est refait exploser, mais là, Ethan s'est fait totalement exploser aussi. J'avais oublié ce détail. Bon, attendez, faut que je refasse, mais cette fois-ci, attends, je vais le faire avec Ethan, désolé. On va prendre Timéo et Ethan, parce que là, j'avais oublié. On va prendre de tout, vous savez quoi? Hop, on va prendre des Timéo, des Ethan. Non, mais... Je l'ai fait spawn, il s'est fait amputer les jambes. On est où? Et on va mettre aussi des Steve, parce que voilà, tu nous as assez fait chier. On a notre troisième petite bombe. Hop, ils sont tous bien paqués. Hop, je le dépose bien. Oh non. Va par là-bas. Parfait.
Oui. Oh, ça a trop bien marché. Wouah, tous les boyaux qu'il y a par contre, ça les fait disparaître. Attends, t'as survécu? Il y en a un qui a survécu? Oh non. Ok, je pense qu'il a pas survécu au final. Oh non, ça me fume. Il se retourne et il se casse la gueule tout en bas. Non mais c'est n'importe quoi. Bon, en tous les cas, je crois qu'on est à l'endroit pour notre prochaine mission. C'est parti, c'est le moment de drop. Parfait, nous y voilà. Faut que je gère un atterrissage maintenant. Eh ben, bon les gars, c'est quoi ce petit bruit à chaque fois? Pourquoi vous pétez à chaque fois dès que je viens vers vous les mecs? T'es un malade mental. Non, te relève pas, attention. Oh, j'ai cru que je te l'avais mise vraiment en belle petite droite là. Oh oui, là t'es KO. Première chose, j'ai envie de pousser un mec de là-haut. Clairement, l'un de vous, là, je vais le pousser de là-haut. Il y en a maintenant. Ok, heureusement que vous êtes léger. Hop, est-ce que je vais pouvoir... Oh, j'ai une petite plateforme, c'est parfait. Hop, je vais te déplacer juste ici. Faut pas qu'on se casse la gueule à deux quand même. Maintenant, j'ai plusieurs choix déjà. J'ai un petit katana, tu vois, je pourrais... Hop. Oh, non. Oh, je voulais juste te foutre un katana dans le cul au début et te le laisser planter. Je pensais pas que ça allait te tuer. Allez, dégage de là. Je vais en prendre un plus compétent. Dégage, je prendrai un meilleur Steve. T'es une merde, toi. Bon, le katana, résultat, on oublie. Et on va prendre un nouveau Steve. Toi, je vais tout simplement te fumer au C4. Le truc, c'est que comment j'active le C4? Je sais pas comment je l'active en fait. Est-ce que je peux pas tout simplement. Déjà, je peux l'agrandir. Ok, parfait. Voilà, là, ça nous fait un plus gros C4. Et je peux pas faire comme dans CSGO. Je vais arriver à faire tout. Bah, il est cool ce C4 en vrai. Mais je sais pas comment. Avec une boule comme ça. Déjà, la boule comme ça, je pourrais la faire. Je peux l'agrandir déjà. Parfait. Hop, et là, voilà, parfait. Hop, et je descends moi. Oh, Steve, on l'a vu tomber. Ok, ça a bien marché. Est-ce que ça a fait péter le C4? Non, ça n'a pas fait péter le C4. Ok, par contre, on a vu littéralement une explosion partir dans cette direction. Genre, j'avais oublié que je pouvais agrandir les choses. Donc, ça veut dire que la petite boule comme ça, il faudrait que je puisse l'attraper d'un autre côté. Ouais, parfait. Non, vite sur l'autre côté. Non, ça va me fumer, Wouah. Ok, on retente. Oh non, elle peut pas marcher une fois qu'elle a fait trop grandir. Non, c'est tellement dommage. Non. Elle est bloquée sur son cul, putain. Oh, tu veux me faire un câlin? Tu veux faire la paix? Ok, ça marche. Oh putain! Non! Ah non! T'as des immenses bras et une immense tête. Non, on est dans les... Je crois que t'es coincé comme ça. En fait, c'est qu'il est juste coincé sur la tête. Il peut plus rien faire, il est coincé sur sa tête à vie. Tiens, voilà, là, je t'ai fait réapparaître en mode normal. Est-ce que je peux t'agrandir le torse seulement? Oh là, je t'ai vraiment rendu immense, je crois. Vas-y, tu peux y arriver. T'es pas mort? Non, mais attends, mais je l'ai tué juste en l'agrandissant. Mais c'est quoi cette victime? Il est emmêlé, il s'est emmêlé les pinceaux. Ok, non, je crois que c'est sa tête maintenant qui est trop grosse. Bande de merde. Là, le motif de mort pour celui-là, c'est quand même trop grand. J'aurais pu le faire avec des Ford. Juste deux secondes, testons un truc. Oh putain, ça m'a fait peur. Oh putain, j'ai pris un Ford qui pouvait exploser. Oh non, il est possédé. Ce Ford est possédé par un démon. Faire grossir ta tête encore plus. Ok. Oh putain, c'est terrible. Oh, il a perdu tout son corps en fait là. C'est horrible. Oh, Berk, dégage. Oh là là, mais qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce que tu nous as fait, Timéo, là encore. Hop, il n'y a que Eren pour le faire, je sens. Hop là, voilà, je te récupère. Problématique. Bon, au passage, tant qu'on est en mode Eren et qu'on est justement immense, pouvoir vous choper. Venez par là. Hop là. Putain, en fait, je suis tellement grand que tout se passe au ralenti, j'ai l'impression. Wow. Lui, il est bien parti. Ça, c'est pas les conteneurs de Apex. Apex Legends, là, pour les coffres d'Apex Legends. Et bonjour, Apex, hein. Ok, parfait. Alors, Steve m'a juste invité pour un petit challenge, là, cette fois-ci. C'est une map parcours Minecraft. Et voilà. Un peu les maps parcours que vous voyez sur TikTok. Hop là, parfait. En mode satisfaisant et tout. Abusez les petits passages que c'est, là. Pas à quel point elle est grande, mais il m'a dit qu'il y avait une surprise au bout. Oh, oui, ok, d'accord. C'est vraiment parcours. Oh, là, en vrai, en fait, j'ai même pas besoin de recommencer le niveau, hein. Je me débrouille. Ok, on se fait pas karma. Parfait. Je me débrouille tellement bien. Pas de karma. Je vais one shot, hein. Hop, le petit cut. Tac. Oh, c'est stylé qu'il a adapté la map comme ça en mode tu dois prendre des petits persos aussi et tout. Là, j'ai pris. Ouais, voilà. Là, c'est fait pour que je puisse m'agripper sur les boutons. Ok, mais c'est vraiment adapté en fait pour Bonework. J'agrippe le bouton. Là, parfait. Là, parce que c'est clairement pas possible sur Minecraft celui-là. Hein. Oh, là, c'était pas le début par là. Ok, en nouvelle zone. Est-ce que je peux activer des leviers ou pas? Non, je peux pas activer les leviers. Oh là là. Ok, là, ça va vraiment être chiant si on tombe. Si on tombe, ça va vraiment être de très très haut. Belle vue en tout cas. Ok, attendez. Tac. Le levier. Hop, le haut du levier même. Ok, nickel. Voilà. Ok, je vais prendre mes murs là IRL. C'est vraiment un only up en VR là, limite que je suis en train de me faire. Non. Oh putain, j'ai failli me prendre des. La croche est nulle à chier, frère. Attends, là, c'est-à-dire que je suis vraiment obligé de faire les petits sauts comme ça. Ok. Oh, la pression, là, j'ai vraiment pas envie de tomber. Là, j'ai poinçon, j'ai tout first try. Ah, là, je connais ça. Voilà, parfait. Ça, sur Minecraft, faut pas les sauter, sinon tu te fais baiser. Attends, mais c'était vraiment la salle la plus compliquée, celle-là, je pense. Comment c'est stylé ici? Oh, jure, un petit portail du Nether comme ça. Chou. Oh, ça marche trop bien. J'ai peur qu'il y ait un petit screamer là. Oh, le petit passage de pute. Ok, on a failli se casser la gueule dès le début. Oh non, c'est terrible. Ok, tranquille, tout va bien. Vas-y, hop, ça ira plus vite par là. Oh, le saut qui a failli être trop haut. Nickel. Parfait.
Et hop là. Oh, jure un lit dans le nether. Ben voyons. Oh là, j'ai pas envie de toucher la lave. J'ai peur que la lave me tue. En fait, on va arriver de l'autre côté de ce qu'on voyait au début, non? Oh, on arrive. Ah, attends, je me dis pas qu'il y a un passage dans l'end. Ou peut-être que le l'end, c'est la fin. Let's go. Oh. Oh, c'était un troll l'end. Oh non. Oh, il y a tout un nouveau truc dans l'end. Oh, je dois passer comme ça. Waouh. Waouh, comme je l'ai passé vite. Même pas besoin de la petite plateforme qui est en dessous. Hop là, on escalade. Ok, ça va vraiment être compliqué. Là, juste là. Voilà, parfait. Il y a pas de truc au-dessus de ma tête, non? Hop. Ok, nickel. Oh, ouais, ben là, tout le monde arrive à la fin. Oh, c'est trop stylé. Oh, oui. Jeu d'émeraude, tac, tac, tac. La map est trop gentille depuis le début. Je me dis vraiment qu'ils font un petit troll, tu vois, ou autre. Ok, non, ça m'a l'air bon. Wow. Attends, là, on a... Oh, je regarde, ça part en skyblock. Ok, ok. Wow. Non. J'ai rebondi sur la... Oh, je sais pas si c'était prévu. Non, c'était pas prévu. Non, je suis revenu. J'ai rebondi sur l'arbre. Oh, je sais pas si c'était un troll ou pas. En espérant ne pas rebondir sur l'arbre cette fois-ci. Attends, mais je vais mettre comme ça. Voilà, chez là, j'ai pas rebondi sur l'arbre. The end, GG. Ok, c'était vraiment le the end juste derrière moi. Je l'avais pas du tout remarqué. Je me suis fait baisser. Oh non, c'est abusé ce que j'ai pris par contre. Ok, voilà, de mon côté, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura fait plaisir. C'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit like, l'abonnement, bref, vous connaissez, petit commentaire, blablabla. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était JackBay9, et sur ce, à plus, tout le monde. Yeah.